Ah, École Saint-Joseph, Alexandre McKay demande, à la lumière de la situation désespérée des réfugiés syriens, souhaiterez-vous que le Canada accueille un plus grand nombre d'immigrants? Selon vous, comme les autres Canadiens, vivront-ils ces afflux d'immigrants? OK. Comme tous les Canadiens, les images de cet enfant innocent couché sur la plage ont brisé mon cœur. Je ne suis pas en faveur des nombres arbitraires ainsi que des quotas pour l'immigration. Je suis favorable à une approche de marché à l'immigration qui donnerait aux Canadiens les pouvoirs et les responsabilités directes sur celle-ci. Je voudrais mettre en œuvre un plan qui donnerait aux citoyens canadiens la possibilité d'utiliser leurs propres fonds pour parrainer les réfugiés et les immigrants pour qu'ils viennent dans ce pays. Ces citoyens seront tenus responsables de l'intégration culturelle des immigrants dans notre démocratie libérale. Le résultat de ces politiques pourrait aussi bien augmenter l'immigration que le diminuer. Le test serait de savoir combien d'argent êtes-vous personnellement prêt à donner et à quel point vous êtes disposé à prendre la responsabilité pour amener les réfugiés et les immigrants au Canada.